Coucou, ma pipo, ça va? Je suis en train de cuisiner la sauce spaghetti. Hein. C'est la viande de bœuf et le cœur du bœuf. Je viens de mettre les carottes avec les poivrons. C'est en train de cuire. Ma pipo, j'ai appris qu'il y a un marabout qui a fait ça dur aux enfants du Cameroun. Tous les jours, les enfants l'appellent grand frère, grand frère. L'hypocrisie des Camerounais. Grand frère, ils dépannent, ils donnent à boire, ils donnent à manger. Ils s'entendent pour voler son porte-monnaie. Quand les petits volent son porte-monnaie, ils viennent les voir et leur disent, rendez-moi mon porte-monnaie qui contenait 300 000 francs. Les enfants commencent à l'insulter. Vous connaissez les Camerounais, non? Les enfants qui ont grandi dans la rue avec les mamans prostituées. Ils commencent à insulter. Ah, Mouf, tu es qui un chien comme toi? Ils oublient que c'est leur grand frère du quartier qu'ils appellent grand frère, grand frère. Ma belle, vous avez compris, non? Il leur a dit, rendez-moi mon argent. Ils n'ont pas écouté. Il semble qu'il est parti voir un marabout quelque part, je ne sais où. Donc, il a dit, je vous donne 7 ans. Vous allez tous mourir. Depuis, je crois que c'était en décembre, novembre, deux sont déjà morts. Le premier est mort électrocuté. Le deuxième est mort, accident de moto. Donc, il reste trois. Ma people, les Camerounais, même quand tu es gentil, quand vous me voyez, je vous dis que je n'aime pas les Camerounais. Vous pensez que c'est la blague? En 2016, j'ai fait la réunion. On appelle ça comment? Tontine avec un ami d'enfance. Hein? On se connaît depuis les années. Depuis 1980, combien? 80, c'était quand quelle année? 87, 88? Non, 80. Non, c'était il y a 89, 90. Un ami d'enfance, le fils de ma mère. Pour les gens qui connaissent mon ancien Facebook, vous connaissez cette affaire. Le fils de ma mère, que toute ma famille le connaît, toute sa famille me connaît. J'ai fait la tontine pour faire la tombe de ma mère. C'était en 2016. Ma people, il a volé tout cet argent. Il a remboursé seulement 800 000. Donc, c'était plus de 3 millions. Je demande le reste de l'argent, il m'insulte. Oh, les menaces de ça. Oh, je vais appeler l'ambassade des États-Unis. Oh, ton mari a fait ceci, ma people. Nous sommes en 2024. Il ne m'a pas donné mon argent. Il me doit 2 300 000. Je veux dire à ce marabout, donnez-moi le numéro de ce marabout. Je vais payer le prix qu'il faut payer. Qu'il me frappe ce Bamoun correctement et bien lui. C'est un homme Bamoun, il s'appelle Tintin. Donnez-moi le numéro de cet anglophone. Oui. Donnez-moi son numéro, je vais causer avec lui. Je parle très bien l'anglais. C'est mon frère. Oui. C'est mon frère. Je dis que je veux qu'il me frappe ce Tintin-là propre et bien. Comme ça, il ira dans sa tombe en sachant que. Quand on te fait du bien, il ne faut pas insulter les gens. Il ne faut pas les menacer. Je demande mon argent, 2 300 000. Il m'insulte. Il dit qu'il va appeler l'ambassade des États-Unis comme s'il peut parler. Comme s'il a l'argent de taxi pour arriver à l'ambassade. On ne vaut rien. Ma people, c'est la même chose que les petits-enfants camerounais avaient fait. Un grand frère du quartier qu'ils appelaient grand, grand, grand. Tous les jours, ils boivent, ils mangent ensemble. Ils leur dépensent les petits 5 000, les petits 1 000 francs. Déjà, deux enfants de ce quartier ont déjà fait le plan qu'on va voler son téléphone. Les enfants qu'il appelait grands, les enfants à qui il donnait, il dépannait. Ma people, c'est comme ça qu'ils montent le coup. Ils sont allés voler le téléphone du grand. Le grand veut maintenant se battre pour qu'il ne prenne pas mon téléphone. Ils l'ont poignardé, il est mort. Ils l'ont poignardé, il est mort. Un père de famille. Un père de famille. Voilà ce que je dis à mon mari tous les jours. Parce que lui, il est papa gentil. Mon mari est tellement gentil, ma people. Je lui ai dit, quand tu vas arriver au Cameroun, si tu es gentil comme ça, les Camerounais vont te tuer. Oui, les petits enfants qui t'appellent grand au quartier, moi, je n'ai rien à foutre avec le peuple camerounais. Je vous ai toujours dit, à 18 h, je ferme mon portail, je libère mes deux chiens, je mets le courant sur le portail. Mon arme est pointée, que dès que tu mets le nez, à partir de 18 h, chez moi, personne ne sort, personne n'entre. Je ne vais pas donner les cadeaux aux Camerounais parce que je ne vous aime pas. Je vous ai toujours dit, j'aime 1% des Camerounais. Ma people, je vais vous dire, les gens à qui j'ai fait du bien sont les gens qui m'ont plus fait du mal. Oui. Comme cet imbécile Bamoun Tintin. Cela, ma femme est malade, j'envoie l'argent. J'aide. Cela, on n'a rien à manger, j'envoie. Vous voyez ce qu'il m'a fait? J'ai dit que ma people, si vous voulez vivre longtemps, je m'adresse aux Camerounais, ne montrez pas les dents aux Camerounais. Yeah. Ne montrez pas, soyez armés. Au Cameroun, je serai armé. Matin, midi, soir, tu tentes, je te vois devant mon portail, je t'abats. Parce que je ne vous aime pas. Voilà ce qu'il vous dit. Donnez-moi le numéro de téléphone de cet anglophone. Je vais résoudre le problème de Tintin. Justin Mongo, alias Tintin de la Cité Verte. C'est de ça qu'il s'agit.
Je félicite cet anglophone qui est en train d'assassiner les enfants du Cameroun. Et je demande aux Camerounais de faire la même chose. Ne donnez jamais le crédit aux Camerounais. Avec les Camerounais, même le bébé Camerounais, si ça s'amuse avec toi, il faut le finir. Parce que les enfants du Cameroun commencent la méchanceté dans le ventre. Quoi que tu fasses pour eux, ils vont toujours faire la méchanceté. Je ne vous aide plus. Pourquoi? Parce que vous êtes méchants. Après avoir dépensé des millions sur les mères célibataires, ma people, je ne peux pas compter combien d'argent j'ai donné aux mères célibataires que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, avec la charité. Vous avez entendu? Donc quand vous me voyez écrire dans Facebook, les gens croient que je suis méchant. Quel méchant? Les gens qui me connaissent, ils savent. Qu'est-ce que tu vas donner au peuple camerounais? Un peuple bête. Bête! Vous allez périr dans la misère. Vous avez compris, non? Personne ne va plus vous aider. Même M. Amougobelinga, quand il va sortir de la prison, ne va plus aider les Camerounais. Voilà ce qu'elle vous dit. Vous allez mourir dans la misère, peuple camerounais, parce que vous avez le cœur noir. Un mauvais peuple, un sous-peuple.